13h, 14h, sujets de société, personnages atypiques, traditions et cultures, votre quotidien. Sud Radio, c'est vous, Cyril Brioulet. Le télétravail est-il le mode de travail idéal? Plus de 80% des salariés qui l'ont choisi se disent plus efficaces, plus concentrés et moins fatigués. Xavier de Mazonneau détaillera une vaste enquête sur le télétravail en France. Nous irons aussi dans le Cantal où le Conseil Général a créé de nombreux cybercentres. Le télétravail, donc, maintenant, c'est une nouvelle forme d'organisation du travail qui se développe année après année. On compte aujourd'hui près de 160 télécentres dans toute la France. Pauline Pissavi, vous avez choisi le télétravail, vous avez monté une agence de communication dans le Cantal. Bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi avoir choisi le télétravail, Pauline? Alors, au début, je connaissais pas du tout, donc on m'en a beaucoup parlé. Du coup, j'ai fait une formation dans le domaine du télétravail. Ensuite, je me suis mis à mon compte et par la suite, depuis 3 mois, donc je suis au télécentre de Mauriac et j'ai choisi cela parce que ce qui est bien, c'est que je peux sortir de mon domicile, je peux accueillir des clients dans un cadre professionnel ça change de son domicile, ça permet de voir d'autres personnes dans d'autres professions différentes et c'est quand même un avantage. Donc vous travaillez à la fois chez vous et au télécentre? Voilà. Vous avez monté une auto-entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et donc, oui, c'est donc une agence de communication. Qu'est-ce que vous proposez exactement comme service? Je suis graphiste et illustratrice. Donc, en fait, moi, je crée tout ce qui est affiche, tract, carte de visite, logo. Et je fais aussi de l'illustration. Donc, je fais du dessin, des portraits. Donc, le télétravail, j'y vais souvent pour pouvoir faire mes plaquettes commerciales, tout ce qui est communication graphique. Et après, je reste à mon domicile pour pouvoir faire les dessins, tout ce qui est dans le milieu artistique. Mmh. Sur place, voilà. Au télécentre, en fait, des moyens sont mis en commun, c'est ça? Oui. Alors, j'ai un bureau avec un ordinateur, donc avec un débit Internet assez intéressant déjà. Après, on a une imprimante couleur et noir et blanc format A3, donc c'est quand même extrêmement bien, surtout dans mon milieu, et on est quand même bien équipé, oui. Mmh. Alors, on reste dans le Cantal avec Fabien Medzianowski. Vous êtes directeur des systèmes d'information au Conseil Général. Bonjour. Bonjour. Le département a lancé le dispositif Cyber Cantal dès 1998. Pourquoi croyez-vous au télétravail dans le Cantal? Mais le département du Cantal, comme bon nombre de départements ruraux, a une préoccupation, c'est de pouvoir attirer de nouveaux actifs et de conserver les populations. Et dans ce cadre-là, effectivement, maintenant c'est de plus en plus compliqué dans la conjoncture et dans nos territoires en particulier de faire implanter des grosses entreprises, grosses industries. Par contre, on croit beaucoup à l'accueil d'actifs et des gens qui amèneraient avec eux leur travail et qui pourraient effectuer à distance donc leur activité, tout en choisissant un mode de vie dans un département comme le Cantal qui offre toutes les qualités d'épanouissement et de pouvoir comme ça répondre à une aspiration de plus en plus prégnante des urbains qui désirent s'installer dans un département plutôt rural, de changer de vie dans ce sens-là. Et le télétravail répond à tous les axes donc de pouvoir d'achat, puisque moins de déplacements, aux problématiques de qualité de vie et d'épanouissement personnel. Et bien entendu, ça peut contribuer également à l'environnement. Et tout ça, ce sont les valeurs que souhaite mettre en avant le Conseil Général du Cantal. Et le télétravail, nous, en termes d'attractivité et de développement économique, nous paraît être une réponse pour les territoires ruraux. Vous parlez d'attractivité, ça veut dire que l'offre de télétravail mise en place a attiré de nouveaux habitants, de nouveaux salariés dans le département? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on compte plus de 200 télétravailleurs installés sur le département autour de notre réseau de 10 télécentres. Hein. Un télécentre, comme l'a dit Pauline, c'est effectivement des ressources mises à disposition, mais c'est surtout un point d'information et un point de rencontre pour les télétravailleurs, qu'ils soient à domicile ou en télécentre. Donc autour de notre réseau, autour d'un pass qu'on appelle pass actif mobile, on recense 200 télétravailleurs qui ont une activité, donc qui ont fait le choix de s'installer dans le département. Donc ça permet d'attirer des travailleurs, de maintenir l'emploi aussi? Oui, de maintenir l'emploi. Alors, à la fois pour des entreprises du Cantal qui pourraient chercher de la ressource à l'extérieur, de pouvoir faire télétravailler quelqu'un à l'extérieur du département, puisqu'ils n'ont pas forcément de ressources à l'intérieur du département, mais également pour pouvoir développer de l'économie et
des entreprises qui ont de l'activité et qui permettent à leurs salariés de télétravailler, ce qui est également un facteur d'attractivité pour tout nouveau entrant dans le département. Comment sont organisés les centres? En fait, ce sont des bureaux avec, comme le disait Pauline, du haut débit, un local, du matériel à disposition? C'est ça. Donc, il y a à la fois ce qu'on appelle des espaces de coworking, c'est-à-dire des lieux ouverts où le travailleur mobile au sens large peut venir se poser ponctuellement et travailler donc en très haut débit avec des outils modernes. Et puis des télétravailleurs plus permanents qui ont des bureaux privatifs. Et ils peuvent bénéficier également de ces connexions, mais d'outils type visioconférence et qui leur permet comme ça d'optimiser leur activité. Mmh. Alors nous accueillons aussi Xavier de Mazenod. Vous êtes l'organisateur du Tour de France du télétravail et le fondateur du site thevillage.net avec un Z. Vous publiez une vaste enquête sur le télétravail. Elle a duré 6 ans, plus de 1400 personnes y ont participé. On sait combien de Français ont choisi le télétravail aujourd'hui, Xavier de Mazenod? Oui, bonjour. Juste une petite précision, l'enquête elle a duré 3 mois, mais on a également compilé 10 ans d'études pour préciser les chiffres. D'accord. Donc on a effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle, on a beaucoup plus de télétravailleurs que le disent les chiffres en général, tout simplement parce que les gens utilisent des chiffres anciens ou des études très parcellaires. Nous, on a pu identifier que, en fait, on a à peu près 17% de télétravailleurs en France. Donc c'est à peu près le double de ce qu'on annonce souvent, de 8%. Dans ces télétravailleurs, on inclut aussi un petit 3% de travailleurs indépendants. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Presque un cinquième de la population active, ça fait quand même beaucoup de monde. Quand on dit télétravail, donc c'est à la fois des personnes qui travaillent chez elles, à leur domicile, qui viennent en télécentre, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors le problème avec le mot télétravail, c'est qu'aujourd'hui, il recoupe plusieurs concepts. Fabien l'a dit tout à l'heure, c'est aussi des coworkers, des gens qui viennent travailler dans un télécentre ou un espace de coworking avec les autres pour recréer du lien social, parce qu'ils n'y veulent pas ou de temps en temps ils veulent sortir de chez eux. C'est de la mobilité, vous et moi, c'est déjà arrivé de travailler dans le train, dans une gare, un aéroport. On a besoin d'être connecté tout le temps, on a besoin de pouvoir travailler tout le temps. Donc le télétravail, c'est une forme d'organisation qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Les salariés qui ont adopté le télétravail sont satisfaits d'après votre enquête? Oui, ils sont. Ça c'est un fait très notable. Très grosse majorité, très peu d'échecs quand les projets sont bien gérés. Et ce qui est intéressant, c'est que les DRH aussi sont contents quand ils passent au télétravail. Ils basculent, leur opinion bascule dès qu'ils ont testé le télétravail. Est-ce que le télétravail peut concerner quasiment tous les types de professions? Ou est-ce que ça s'adresse à des professions bien particulières? Alors, ça s'adresse à, moi je dirais plutôt, toutes les fonctions qui ne nécessitent pas d'avoir un contact personnel, fonction d'accueil, de soins par exemple, où on est obligé évidemment d'être en contact avec les gens, avec les autres, toutes les fonctions qu'on peut exercer à distance. Donc ça fait quand même beaucoup de métiers dans l'entreprise ou dans l'administration, toutes les tâches administratives, toutes les tâches de recherche, tous les métiers dits du savoir, ça finit par faire beaucoup de monde. Mmh. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler, vous l'avez peut-être vu dans l'enquête, 73% des salariés disent vouloir télétravailler et la moitié d'entre eux ont essuyé des refus de leur employeur, malheureusement. Comment ça s'explique? On a une explication? Oui, on a une explication, c'est que le télétravail, c'est un changement de culture, parce que pour manager en télétravail, il faut manager à distance, il faut plutôt faire confiance que contrôler. Ce sont des changements d'organisation et c'est jamais très simple et ça demande toujours du temps en entreprise. Comment imaginez-vous l'avenir du télétravail ces prochaines années? Il est en train de, les chiffres sont en train d'exploser. Vous avez dit tout à l'heure qu'on avait à peu près 160, ce qu'on appelle des tiers-lieux, qui sont à la fois espaces de coworking, télécentres, on les appelle tiers-lieux d'une manière générale, et on a 150 en projet. 150 en projet. En France. Donc ça devrait devenir. La loi sur le télétravail de l'année dernière va obliger les entreprises à au moins réfléchir ou légaliser cette espèce de télétravail gris qui est pratiqué jusqu'à présent. Donc on va voir dans les 2-3 années qui viennent une explosion du phénomène.
Merci Xavier de Mazonneau, thevillage.net avec un Z pour en savoir plus donc sur cette étude. Merci Fabien Medzianowski, cybercantal.fr pour découvrir l'offre de télétravail du Cantal. Pauline Pissavi, merci à vous aussi. Votre agence de communication s'appelle Mise en couleur. Il y a un Facebook pour vous joindre. Vous retrouverez bien sûr toutes les coordonnées sur sudradio.fr à la page Sud Radio c'est vous. Passez une bonne journée vous aussi. Merci d'avoir choisi Sud Radio. Sud Radio c'est vous tous les jours entre 13h et 14h. Vous vous rendez sur sudradio.fr pour avoir toutes les coordonnées comme chaque jour des sujets dont nous avons abordé, que ce soit la journée du sommeil, la construction de maisons en paille, le télétravail ou encore pour retrouver les références du livre de Patrice Romain. Sudradio.fr également pour réécouter cette émission en podcast. Passez une bonne journée, un excellent week-end et puis on se retrouve lundi entre 13h et 14h.